Cette attaque terroriste qui a fait 8 morts dans les rangs de l'armée camerounaise intervient 2 mois seulement après la mort du leader charismatique de Boko Haram, Aboubakar Shekau, et 2 semaines après l'annonce des autorités camerounaises de la reddition d'environ 200 combattants de Boko Haram à Mairie. Ce qui attire l'attention est les modes opératoires de l'attaque qui semblent être nouveaux et la zone choisie, sans oublier que, contrairement à Boko Haram de Aboubakar Shekau, Daesh s'attaque rarement aux civils, ce qui laisse supposer que les assaillants sont des Daesh. Et il faut savoir aussi que Daesh s'est renforcé dans les maquis de Boko Haram après la mort de Shekau. Et en juin, Daesh a déjà donné un ultimatum d'un mois aux combattants de Boko Haram de rejoindre son groupe ou de quitter les maquis. Il semble aussi que les derniers affrontements entre les deux groupes rivaux ont affaibli le troisième groupe de Bakoura Modou et beaucoup de combattants de Shekau et de Bakoura ont prêté allégeance au groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. L'offensive a été bien organisée selon le gouverneur de la région qui a déclaré que les terroristes qui ont attaqué le poste de l'armée dans le village Sagme vers Fotokol étaient lourdement armés et arrivés à bord de 6 véhicules et de motos. Enfin, je ne crois pas que l'offensive terroriste serait une surprise, car le groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest a déjà réussi à pénétrer les forêts pour déloger Shekau, là où les forces du bassin du lac Tchad n'ont pas réussi à le faire. La stratégie des leaders de l'ISWAP, Abou Moussa al-Barnaoui, et de profiter de la saison pluvieuse pour faire passer sous son contrôle tous les territoires autrefois acquis aux deux tendances rivales. L'ISWAP prétend lancer, après la saison pluvieuse, de grandes offensives contre les positions des forces ennemies dans l'espoir de reconquérir de nouvelles villes comme Gambaru, Banki et Maïdougri, la capitale du nord du Nigeria. Avec l'adhésion d'une bonne partie des éléments de Shekau, après la défaite dans son fief, Daesh est en train de renforcer sa position dans la forêt de Sambisa, dans le nord-est du Nigeria, et se rapproche de plus en plus des frontières camerounaises, nigériennes et tchadiennes, où s'y trouve son nouveau rival, successeur de Shekau, mort en martyr, selon Bakoura, qui a d'ailleurs promis de venger Shekau, qualifiant al-Barnaoui d'un agresseur pervers. En tout cas, et enfin, avec le renforcement de Daesh, le bassin du lac Tchad reconnaîtra une vague de violence dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et quitte aux forces militaires du bassin du lac Tchad de prendre toutes les dispositions, toutes les précautions pour affaiblir Daesh afin qu'il ne soit trop tard.